شهر فبراير بدينا برنامج جديد عملنا certain nombre d'études باش نشوفوا كيفاش شنو غا بوزيسيوني ميديا تي في دابا بان لينا une opportunité importante qui est en fait de capitaliser sur le savoir-faire de Media TV. Media TV, depuis 4 ans, 5 ans, est reconnu pour la nature de son information, la qualité de son information et ce qu'elle apporte comme accompagnement pour les téléspectateurs marocains. Donc, on est venu à le capital Heda et on lance un positionnement particulier qui est de l'information toute la journée, de 6h du matin jusqu'à 19h, ou des émissions à plus large audience. C'est un concept qui existe ailleurs, qui s'appelle de l'infotainment. C'est un concept où l'information est importante, mais qui s'adresse à un public plus large que le spectateur traditionnel de l'information. Donc, à Chili Libdina, avec des éditions qui démarrent à 6h du matin, le 6-10, on a le 7-9, ou on a le 6-10. Ça, c'est une tranche d'information qui est bien installée, qui a beaucoup de téléspectateurs qui sont des leaders d'opinion, qui démarrent leur journée en voulant de l'information. Donc, on délivre une information qui est ce que les gens doivent savoir avant de démarrer leur journée. La veille, l'actualité du jour, des agendas, un point de vue économique, un point de vue sur le sport, des revues de presse internationales marocaines, maghrébines, et une revue de l'actualité marocaine et internationale. Donc, pendant de 6h à 10h, avec la particularité qu'on alterne l'arabe et le français toutes les demi-heures. Ensuite, on a des tranches d'informations de 2h, Ashrat al-Tnash, Nash Jouj, Jouj Telsa, à raison de 2h. Qui sont une mise à jour continue de l'information pour garder les gens qui sont intéressés à l'information connectés. À partir de 7h, on a des talk shows. On a 60 minutes pour comprendre. C'est une émission qui a été lancée en septembre, qui est elle aussi une très large écoute, qui est reconnue pour sa qualité. Et le soir, on a des primes, des émissions à grand public. Le lundi, Genten, qui s'adresse aux jeunes à qui on veut donner la parole, mais de manière structurée. Le mardi, nos émissions d'investigation avec Mohariqoun et Midi Investigation, une en arabe, une en français. Mercredi, on a Milf Niniqash, qui est en fait des dossiers d'actualité internationale que l'on décrypte avec des experts. Le jeudi, on a Mouaten Lyoum, qui est une émission qui se veut à la fois politique, ou en tout cas, Mouaten Lyoum, c'est les sujets qui intéressent les citoyens. Ou le vendredi, on a Kawalis, émission Jdida des Bdina au mois de février. Un bon nom ici, mais Tariqa Jdida qui s'inspire aussi du net, parce que le web est maintenant quelque chose qui était installé dans les habitudes d'Yannas, avec des codes d'Yalo. Et la télévision doit s'adapter aussi en adoptant des codes qui sont à plus large public. Et donc l'ambition d'Yelna, c'est de conquérir une audience plus large au Maroc et demain d'être une télé de référence pour les Marocains, les Maghrébins et plus largement les Africains du monde. Donc pour atteindre notre objectif au niveau de l'Afrique, nous lancerons un canal francophone, Kollo, qui sera un canal d'information avec la même structure de l'information de 6h à 19h, ensuite des émissions à plus large audience, mais qui aura une vocation de parler aux Africains subsahariens et aux Africains dans le monde. Alors, les objectifs d'Yelna et ce que nous sommes en train de réaliser. Libdina, c'est au mois de février, sur un temps d'adaptation d'Yelna, les changements sont importants dans la structure du travail, l'organisation. Malgré les trainings, malgré la préparation depuis le mois d'octobre, les recrutements, bien sûr que l'organisation de l'ELO, la première semaine de février, on a réagi immédiatement, de manière normale. Bien sûr, Nesgalolina, voilà où ça coince, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Nous avons recruté
plus de monde pour combler un certain nombre de manques, enrichir le contenu. Nous avons organisé les choses de manière effectivement logistique, transport, pour que ce soit plus fluide. Mais Hachikoulou, c'est une démarche normale quand on met en place des changements pareils. Et tout est mis en œuvre pour faire en sorte que ça fonctionne. Bakin Shehaja, l'Ium, on parle en mars, Bakin Shehaja, l'Imam Gaddech, ou qu'il faut encore améliorer. Il reste 2-3 petits postes d'encadrement, parce que c'est important, pour améliorer le contenu et faire évoluer la grille. D'abord, ce que l'on voit, ce que le téléspectateur voit à l'antenne, va continuer à s'améliorer. Le contenu Reddit Z, on va rajouter des émissions, la journée, des thématiques, etc. À Tchikoulou, il lui faut du temps. Et bien sûr, les moyens nécessaires seront mis en œuvre pour réussir. Tchikoulou, aujourd'hui, a été mis en œuvre, réglé, est en voie de résolution pour encore 2 ou 3 points qui sont des recrutements qui nécessitent un peu plus de temps. De compétences, etc., surtout dans le métier de l'audiovisuel. Mais tu as dit d'être le plus vite possible pour qu'on réussisse à améliorer encore le contenu de la chaîne. Le mois d'octobre, on a recruté pratiquement 30 personnes. Donc c'est énorme. On était 190. 30 personnes sur 190, c'est pratiquement 20% de l'effectif qui est nouveau. Et on va continuer. Et pour lancer le canal francophone, on va encore recruter au moins une quarantaine de personnes. Donc, on a un gros travail de recrutement à faire, d'intégration, d'adaptation, de formation. C'est vrai que c'est un changement important. Et que dans tous les changements, il y a une période d'adaptation, d'évaluation, etc. C'est normal. Mais c'est, en termes de recrutement pour une structure, c'est important. Ça a été préparé, c'est en cours. On ne trouve pas toujours les profils qu'il nous faut. On vient de relancer une campagne de recrutement sur des postes particuliers pour la télévision, qui sont même pour la presse en général, des chefs d'édition, mais audiovisuels, des rédacteurs en chef. J'en profite pour faire une annonce aussi sur Express. Donc, c'est pas oublié. Mais les candidats au poste de rédacteur en chef, chef d'édition, qu'ils soient arabophones ou la francophone, sont le bienvenu média. On étudiera les candidatures, et Inch'Allah, pour trouver les bons profils. Framdan, Nas Barinet Farjo, Belnamesh Maghribi. Donc, Framdan, la structure de la grille de la Média TV, comme l'âme l'y fait, c'est-à-dire avec des productions marocaines, des fictions, des talk-shows d'Yelna, ce qu'on sait faire, des capsules. Comme on avait l'habitude de le voir, mais bien sûr amélioré, avec des... Mais, quand on a fait, on a fait les études, etc. Ramadan, c'est particulier, c'est la spiritualité, le repos, la réflexion. Donc, le divertissement, donc pendant Ramadan, on a un programme qui m'a donné l'âme des fêtes, avec une grosse production, je profite aussi pour l'annoncer, une grosse production pour Média TV, des capsules, des programmes qui seront à vocation spirituelle aussi, qui m'a donné l'âme l'y fait. Et bien sûr, le talk show, qui est la marque de fabrique de la Média TV. On a Saaq Leftour, qui est un des coulins. On a dit, c'est un des coulins.